des YouTube. Coucou YouTube, on va faire l'historique pacifisme. Incroyable. Non, je voulais pas jouer Maggie, hein, on s'emmerde. Demi-tour, ah, c'est Isaac. Attendez, est-ce qu'il est activé du coup? Pas là. LB. Pacifisme. Oui, l'amusement. On joue qui du coup? Judas. Faut un perso qui évite tout. Donc prendre un perso qui a du vol, c'est trop fort. Un petit Eden. Eden du random. Moi je suis chaud Eden du random. C'est maintenant. Texan qui est placebo. Donc ce Easter Egg. En gros on peut pas tuer les ennemis. Quand on rentre dans une salle, toutes les portes sont ouvertes. Et on doit fuir. Lilith. On doit fuir. Comme un... Ah ça marche pas dans cette salle, d'accord, intéressant. Je pensais... Oh putain, on a pas beaucoup de cœur par contre. Oh ça c'est oui par contre. Ça va nous sauver la vie. Ah d'accord, le cœur bleu est pas resté devant. Super. Incroyable. Donc on n'a pas le droit de tuer les ennemis, on doit juste fuir comme un connard. Et les épreuves, les, voilà, les combats de boss, c'est l'épreuve de survie. Il faut survivre un certain temps. Du coup, faut pas taper les gens. Faut juste fuir comme un connard. J'informe. Ouais, ouais. Je me suis renseigné sur un minimum. Merci. Au revoir. Salut, Widow. Du coup, là, il perd du temps, de la vie dans le temps. Il faut juste attendre. Mais du coup, je peux tuer les petites araignées ou comment ça se passe avec les invocateurs? J'ai l'impression de jouer à Undertale en mode pacifique. Le jeu de Jarb. Ah lui, tu passes ses machins non plus. Putain, ça va être tendu avec lui, il aura mis 15 000 araignées. Truc, j'ai pas envie de perdre mes cœurs d'os. Ah, il se croit qu'il peut plus invoquer d'araignées, il doit y avoir un maximum. Ah d'accord, le boss meurt. Je peux prendre cette merde. D'accord, il meurt pas en fait. Je peux me barrer, mais il meurt pas. Incroyable. Le Cellar. Qu'avons-nous ici? C'est non. Faut des cœurs, hein. Vite, prends le goodies. Le goodies, débarre-toi, Bernard. J'ai les cœurs d'os. Ah bah oui, toujours. Ah bah oui, le cœur. Seulement avec un perso qui volait. Alors j'aurais bien voulu aller prendre mon item avant. Mais bon, on va protéger notre Devil Deal. Fais la challenge. Tu penses? En avant, on se tape chocolatine. Zone boss gratuit, mais large comment? Parce que vu que sachant qu'il faut battre les deux ghosts avant. Bah, je pense que ça a été prévu. Je pense que ça a été fait intelligemment. Ah bah, pin. Oh l'ennui. Pin, c'est l'ennui, quoi. Boum. Insérez votre code de pin, insérez votre code de chocolatier. Marble, incroyable. Et le random de votre vie, Guppyzer Ball. Attendez, non, non, on doit pas recommencer. Ah non, c'est bon. Ah mais on peut pas se barrer du boss? L'anti-troll bombe, je dis pas non. Est-ce qu'on jouerait pas Mums de mes couilles? Et le vague nul de l'échimité. Il faut que le boss meure pour que je puisse ressortir et aller chercher mon item. Tu vois la trappe. Mais oui, mais je veux... je vais aller chercher mon item. J'ai pas pris l'item de l'étage. Si j'attends, est-ce que je peux sortir au moins? Oui, mais bon. Dégueulasse. Je m'indigne. On cherchait cette connerie d'item. On aurait dû aller avant. Parce que je me rappelle d'aller prendre les items avant. C'est quoi, c'est cancer? Ah non, j'ai cru que c'était cancer. Quel indigne. J'y ai tellement cru. On s'indigne, hein. Aïe, j'ai pas passé la porte. Une clé, on a pas tant besoin que ça. Par contre, c'est l'enfer, hein, cette. D'accord, en fait, on va faire tous les tâches pour trouver l'item. Kunar. Aïe. Multidimensionnel. Ah bah oui. Ah bah ils reviennent. Même eux qui explosent. Inutile, du coup. Ah bah, pour la transphobie, ça nous offrirait du vol. Une petite bombe, c'est parfait. Fuyons lâchement maintenant. On y croit. Il est temps de courir pour sa vie. Du coup, est-ce qu'on doit se retaper pile? En fait, il faudrait une bonne pilule. Oh, sérieux, Bernard. Incroyable. Celui-là, il est vachement cool de challenge, je trouve. C'est marrant.
J'irai peut-être voir la salle des rendez-vous. Oh bah déjà le buff, super. Le tchal, que dalle. Petit D6, talent sur 20. C'est le skill légendaire. Legendary skills. Je suis le best. J'ai failli me le prendre. Oui, ça aurait été un bon challenge de base à intégrer. Oui, clairement. Bon, gratuite, c'est non, pourquoi refuser? Bah. Ah! Parce que, d'accord, je dois pas me taper les boss, enfin les vagues. Je vais juste prendre les goodies et je me barre en fait. Dans ma tête, je devais quand même me taper les vagues, mais oui, c'est gratuit, effectivement. Petit coffre là, j'ai bien envie d'aller. D'accord, les statues elles meurent. D'accord, il y a un cœur rouge qui a drop, on va savoir pourquoi. On a bien fait de prendre le ciseau contre l'anti-troll bombe. Ah oui, non, mais d'accord, oui, je vais me faire le challenge room. J'avais pas. Mon cerveau il avait pas. Il avait pas percuté. C'est bien, ça augmente mon tears up de me prendre des hits. Je vais rigoler. Je sais ce qui va se passer. Le boss sera peut-être. J'oublie à chaque fois que les salles sont pas faites. L'item room, s'il vous plaît. Incroyable shop. C'est pas le shop. La Bible pour le vol, mais je sais pas pourquoi je crois que ça va me donner un cœur. Bah la Bible sert à rien donc. Enfin le vol oui mais non. Bah on. Ah le vrai shop cette fois. Hein. L'emmerdement putain. Les items nuls. Ah bon on pourra reroll avec la salle de dés. On a eu chance de DD. Quoi? On peut pas le tuer. Pacifique à ce point. Dégueulasse. Je suis. Dégueulassé, c'est une honte. Oh mais oui avec le reroll ça va reroll les bouquins aussi, y compris le placebo. Ah oh oui, clairement rentable. On va y aller avant le boss si on va devoir se taper deux fois le boss. Let's go. Ah bon on va check la challenge du coup. Cette violence. Ça a rien drop? Vraiment? Ah si. Ah, c'est mi-gratuit quand même. C'est quand même vachement gratuit. Ça se refuse pas. LOL. Si dans l'étage t'as une salle full pierre, tu peux use. Ouais. Je préfère largement ma petite bip satanique. Hein. Pourquoi elle est pas chargée? Parce que ça reroll un objet qui était pas chargé? Robo baby, pourquoi pas? 3 vagues direct plus mini survie. Non, franchement, ça passe. Hein. Pas reroll le shop. Magic Mash ici, regardez. Pas du tout. C'est peut-être la meilleure pile, c'était peut-être Bull of Steel alors qu'on avait placebo avant. Ça aurait été peut-être le bon coup là. Peut-être, peut-être. Ça reroll la Bible. Bah ouais, mais vu qu'il n'est pas chargé, ça recharge pas le truc. Oh, The Sun. Oui, je monte The Sun là. Ah, parfait. Ouais, ok. Diolo. Faut esquiver. Ah. C'est pas comme ça qu'on esquive. 3 boss fun garantie. Ah oui, avec 3 boss, c'est vrai que c'est amusant. J'avais pas capté en fait, mais oui. Les challenges, c'est non. Putain, vous êtes beaucoup. Ah, merci à tous d'être là. On fait le challenge pacifique. On a pas le droit de tuer les gens. C'était pas follow les nouveaux. C'est toujours plaisir. Bah oui, mais il meurt pas. Moi, je m'attendais qu'il aille. Alors que non, ils ont balèque. C'est le micro, toujours le micro. Écoutez, à ce prix-là, on va prendre Gimpy. Hein. Parons-nous, ça passe. Je prends ton nouveau micro à YouTube. Mais oui, mais YouTube a déjà vu mon nouveau micro. Ils étaient déjà là avant. Ils connaissent. Micro 2.0. Est-ce que The Sun peut tuer des gens? Absolument pas. Ah, par contre, là, elle est fermée, la salle. C'est dégueulasse. Je croyais que tout était ouvert. Encore une librairie? Je vais plus avoir assez de bouquins à ce rythme-là. Ah, bah on a fait tout le tour, là. Intéressant. Check la secrète, aussi. Incroyable. Aigu, cours. Cours, vite. Vite, Bernard. Non. Pour un cœur rouge, ouais, mais elle devrait quand même être ouverte. Putain, tous les bouquins du monde, quoi. Elle aurait quand même être ouverte dans ma tête. Un mini-moche. Non. Non, un mini-moche.
Bah ouais, mais en fait, je sais pas pourquoi je prends ça, ça sert clairement à rien. J'aurais dû prendre le minimum, je prends le speed. Ok. Un enfer, cette salle. Ce genre de salle, un vrai plaisir. Cours, Fares, cours. Ouais, avec une épée. Ouais, mais je confonds toujours les challenge rooms. Putain, le vieux hit. Le vieux hit dans le cul. Bonjour. Vous avez pas un cœur. Connard. Là, j'étais là, tu serais moins fait toucher, tu aurais été plus rapide. Oui, j'aurais dû prendre une image. Ça aurait été rentable. Oh, l'enfer. Oh, quoi que se passe. Bonjour. Shogunet. Shogunet qui va invoquer 15 000 trucs. On va tenter, on va tenter. Aïe. Boulet. Un enfer, hein. Juste ce jeu est très fort aussi. Pourquoi il est fort, c'est Milk. Putain, mais ils vont même pas mourir à la fin. Ils vont devoir les esquiver pour aller vers la trappe. Connard. Ah non, mais elle reste ouverte, c'est bon. J'ai cru qu'il m'avait couillé, que je vais devoir le recommencer. J'ai failli me faire avoir. Je l'esquive, tu esquives mieux d'habitude. Je suis mauvais. Laissez-moi dans mon manque de... La cœur, c'est non, hein, clairement. Ah mais non, mais... Bernard... Mais pourquoi je prends ces merdes qui servent à rien, là? Vous êtes mon con. D'accord, ça passait dans ma tête. Mais pas du tout. Knockback est fait. Ah... Fait le knockback, c'est vrai que... Oh mon dieu. Quoique... Est-ce qu'on aurait pas envie de se faire TP de façon random du cul? Incroyable, Barono. Salut. GG. Nous allons bientôt mourir. We are ready to die. Au moins, notre bouquin se charge rapidement sans trop de problèmes. Et ça, c'est cool. Écoute, on a pas beaucoup de bombes. Donc moi, j'ai pas envie de ramasser tous ces goodies. Hein. Trouve des cailloux marqués, ce serait oui. Ah d'accord, lui, on en doit se le faire. D'ailleurs, en parlant de cailloux marqués, regardez-moi ça ici. Small Rock, pour la seule fois on le veut pas. T'aimes bien bourré ce soir, c'est vrai. C'est parce qu'on jouait Meat Boy dans la run précédente. Avec Jenji Ken Full, I'm ready to die. On bourre. Ah d'accord, ça c'est quand même un boss du coup. Ah, un enfer lui. Ah, bon, tant pis. La Gimpy, si on se fait trop toucher, c'est pas trop grave. Le magicien, bon, ça sert à rien. Par ici, moi j'y crois. Trop compliqué de passer ici. On peut aller voir là-bas, en plus on gagne un cœur. Les cœurs, c'est la vie, de toute façon. Dès que l'épouse. Ce vrai, ce serait Dark Bloom. Mais bon, avec des villes, ça risque d'être compliqué. Oh, The Cage. Le boss qui a pas du tout assez de points de vie. Caché ici, hein. Moi, je joue à cache-cache. Je suis très bien, là. Posé dans mon jacuzzi, vous ne passerez pas. J'ai juste peur qu'il me saute dessus. Ah, qu'est-ce que je disais? C'est pour qu'il pète les crânes pour trouver des cœurs. C'est une nouvelle technique. Triche. Mais non, c'est le jeu qui pète les crânes pour achoper des cœurs noirs quand il saute. C'est de l'opti. Regardez-moi ça, on a trouvé une carte grâce à lui. Et un autre HP. Two Diamond, incroyable. Oh la pelle. Est-ce qu'on voudrait pas la pelle? Non mais on va garder notre générateur de cœur. Pas déconner. Chè. Ah là là. Allez, on se fait des thunes. Oh, ça va marcher. Ah non mais c'était. C'est pas tout Diamond, c'est Ace of Diamond que j'avais. C'est genre je dois m'en taper du coup lui. Oh l'enfer. Trop chiant. J'espère qu'on va pas passer 4 fois dans cette salle. Hein. Bonjour, je ne fais que passer. Pourquoi il y a 15 millions de boss? Pardon, j'aimerais passer. Bon, on va aller de l'autre côté. D'accord, je voulais ramasser le cœur rouge, mais très mauvaise idée apparemment. Oh, Madame Amiga, ça pourrait être bien, mais. Ah, la blanquette, ça pourrait être vachement bien. Ah, que je vais ramasser son voix dans cette salle de boss. Ça va très certainement être le cas, on va passer des millions de fois. Je suis pas dans celle-là. Ils vont se mettre devant la porte, les cons. C'est bon, c'est pas vrai.
Ouais. Alors là, regardez-moi ça, c'est Cricket Sen. Pas du tout. Mais non, on repassera pas. On est là pour s'amuser. Bah, un très bon placement du joueur français. Ah ça c'est très bien, on peut pas, on peut éviter ces connards et ça c'est bon. Un monde qui joue. Ah pourquoi Gimpy? Ah c'est la fin de salle qu'elle drop le cœur, c'est Gimpy. Qu'est-ce que se passe? Ah le bro boss. Coucou maman. Alors ma très chère maman. Je t'aime, je ne te veux pas de mal, je suis pacifique. Aïe. J'ai une couille de guppy, j'ai la boule de chat du chat, je l'ai ramassé, j'ai rangé ma chambre. Je suis très gentil. Laisse-moi tranquille. Ton item room? Pas besoin de l'item room. Besoin de talent. On tourne en rond. Des petits tours, toujours des petits tours. Aïe. Un petit tour de trop, je crois. Nous, j'ai la chance. Non, cette connerie. Ah, du coup, on peut pas avoir. On peut pas aller à Boss Rush, par exemple. C'est fermé. Ah, si. On peut passer à travers la porte comme ça. C'est rigolo. Y'a pas un chaos marqué? Que dalle, hein. Que nenni. Barons-nous. Nous verrons traverser la porte. Epic Fetus. Ah, bah oui, ça aurait été bien. Prends les bombes. Oui, mais non. Boss Rush qui dure 15 ans, là, c'est long. Tears Up, incroyable. Double Tears Up, doublement incroyable. Petit Forever, c'est pas non, par contre. Et la Temesis, par contre, c'est la couille dans le pâté. Hein. Oh, j'ai pas du tout envie de repasser dans cette salle. Mais faut aller ramasser ce cœur rouge que j'ai abandonné. C'est cœur rouge que j'ai abandonné, quoi. Ok, ça va bien se passer. Tout va très bien se passer. Et prends les bombes. Mais non, pourquoi prendre les bombes? Pas besoin des bombes pour bomber les portes. Vous voulez vraiment que je bombe les portes? Putain, faut que je regarde mon écran. Incroyable. Je peux pas aller chercher. C'est pas ici. Et bah par là. Comment vous savez que c'était pas par là? Je vais me faire toucher. Trop bien, on aura un shop à l'étage d'après. Ma Temesis, on va la prendre. Juste au cas où. Attendez, c'est Magic Mush ici. Ah bah quoi, ça me sert à rien, Magic Mush? À speed up? Ou des pills random? Que dalle en plus. Ah, je vais prendre les Ma Temesis au cas où j'ai plus de cœur rouge. Ça fait mal hein, pour les Ma Temesis. Ah, mais pète-moi cette merde! Tourne en rond. Trop cool, le Magic Mush. Il nous aurait pas servi à grand chose, mais oui. Ça aurait été sympa, Toche. Je peux pas toujours me contredire comme ça, vous êtes méchant. Oh, il sale du cul, putain. Faut que je claque ça. Oh, je veux bien la super, par contre. Cours. Il t'a mis bien. Il y a rien au-dessus, vu qu'on aura un shop à l'étage d'après. Ah, yes. Alors, il est où ce connard de boss? Pas par là en tout cas. Une certitude. Je le déteste. Mais c'est un XL, c'est pour ça qu'on va s'emmerder. Par là non plus. Alors on check par ici. On traverse. Grid Womb. En plus on n'aura pas, vu que c'est un XL, on va pas. Il va pas marcher le trinket. Ça va être couillu. Ça va être la bite dans le pâté. Ah non, pas ici. Pourquoi on repasse par là? Ah bon, on a cursé d'œil, j'avais oublié. Si on s'emmerde, on peut se faire TP. Je passe par là. Ça raccourcit, ça. Cours. Cours pour ta vie, Bernard. Oh, attendez. Qu'avons-nous? Can't see forever, nanana. Tiens, pour Balek. Hein. Balek les goodies par Games Week. D'accord, c'était pas par là, en plus, c'était en haut. Ah la bonne salle, je suis quand même obligé de les faire celle-là. Alors ça c'est dégueulasse. Soit on fait pas les salles, soit on les fait, mais pas les deux.
tourne en rond. On tourne et on évite Bernard. Laisse-moi tranquille. Je veux bien voir ce que c'est quand même. The Devil, je dis pas non. Hein. Ah mais ma Temesis... The Devil sert à rien en fait. Useless, The Devil. Est-ce qu'on a ici? C'est non. C'est non, 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 non. Vous voyez grand cet étage, hein, même pour un Excel. Hein, quand ça fait beaucoup tout ça. J'aimerais bien trouver la fin. Père des cœurs. C'est pas par là? Vous êtes sérieux? Immondice. La plus grosse immondice du monde. On tourne en rond. Je suis indigné. Prends la porte, Bernard. Même si tu es touché avec Altis, c'était gratuit. Ouais, mais il n'y avait pas grand chose d'intéressant, c'est tout ça le problème. Pas envie de prendre le risque pour rien, quoi. Tu as des cœurs rouges un peu partout. Oui, tu as un cœur normalement. Oh, voilà, terminé cette run, t'inquiète pas. Le skill va parler. Yes, Bobos. Mister Vice. Est-ce que vous êtes chaud? On va se faire niquer du cul, à mon avis. Quoique, il passe. Est-ce qu'on peut leur faire mal avec les bombes? Non, ça va avec. Faut juste esquiver quand ils font leur roulade de ses morts. Roulade de ses morts, easy peasy. Après Eclipse, ça va être un peu ton dax. J'aurais bien envie de tenter Hush. Et on essaye d'aller à Hush. Si on peut, on ira à Hush. Oh oui, on est clairement dans les temps. Oh, The Spoon, incroyable. Mais bref. Salut Eclipse. On va faire tourner les serviettes, hein. Oh, ça va être un enfer. Il faudrait la Gnofed Leaf. Un gulp. On a marble. Aïe. Merci Gimby. Ah, je fonce dedans. Technique 2.0, je veux garder mes pourcentages de Devil Deal par contre. Hein. Eh ben, ça risque d'être compliqué de garder. Ah, nouvelle... Incroyable. Quel... Bon, sérieusement, on n'a pas le Devil Deal. Oui, Hush. Hitler avec les lasers. Aïe, ouais, en enfer, Hitler. Let's go. Go to Hush, Hush. Hush, Hush. On dirait une chanson. Pas beaucoup de clés, hein, mais ils vont nous donner d'autres clés, là. Voilà. Incroyable, ça. Ah ouais, du damage up. Incroyable, ça, aussi. Pire du pire. Premier boss mort. Comment ça, premier boss mort? Prendre le bouquin, hein, s'en fout en fait. Le bouquin, on peut le prendre parce qu'à la fin de Rush, il va y avoir tellement d'ennemis. Fin de la run bientôt. Ah bah, quand on meurt. Petit chaos du plaisir, on va devenir d'abord là. Hein. Oh, il est mort, il est décédé. Ah, premier boss mort, oui, d'accord, dans ce sens-là, le boss qui est mort. Bah, des petits caca, ça me rappelle un challenge qu'on a déjà fait. L-Sub, c'est oui. Relax, une fois de plus, on s'en fout. Prendre le cœur rouge qui traîne et let's go à Hush. Je pense que ça peut le faire. Surtout que si Book of the Death marche, ça va être un enfer. Parce que ça, Hush, ça va être chaud. Non, je vais se cacher dans les coins. Ça dépend à quelle vitesse il perd sa vie. De la première phase, là, on est tranquille. On est bien, jusqu'à qu'il se TP. Hush, easy. Bah, il perd quand même assez vite, ça. Il perd plus vite sa vie que quand on l'attaque avec des armes, j'ai l'impression. Il se rapproche, hein. Attention. Incroyable boss. Allez, phase 2. Quoi? Oh mais c'est gratuit. Bon, par contre, Book of the Death ne sert à rien. Mais d'accord, c'est complètement gratuit. Je suis déçu. Moi, je voulais faire la phase 2. Déçu et choqué. Mais MDR, on peut même leur faire deux fois pour plaisir. Attendez, on a pris Polaroid. Ah oui. Bon bah tant pis. Hein. Incroyable ce qui se passe. Une honte. Une honte, une honte. Bienvenue dans la cathédrale. Je suis choqué. Là, j'ai rien dit. Incroyable du cul.
Ah là, elle Phoenix, il voulait nous faire une mauvaise surprise. Bonjour, calmez-vous. Restez à la maison. Moni moni. C'est point, si jamais. Alors on va se cacher, hein. La bonne vieille technique. Et bah par là. Fuck. Fallait go dédé. Ah non, on ira dédé après. Une chose, j'entends. Putain, une de ces gueules. Immondice. Un jour, il faudrait qu'on organise un concours de la pire gueule d'Isaac. Enfin, du personnage avec. Pas comme casque que tu utilises. Salut, Nawitch. Le casque, tu dis? Je sais pas ce que c'est, mon casque. J'ai depuis tellement longtemps. C'est Corsair, ça, non, la marque. Corsair, je crois. C'est un Corsair, mais je l'ai acheté il y a genre 5 ans. Il est très résistant, en tout cas. Ça, je peux te le garantir. Corsair, oui. Salut à toi. Des bisous. Bienvenue, bienvenue. Ils sont encore ça. Ouais, il me semblait, mais j'étais pas dire. Le pire, oui, bah écoutez, hein. Enfin, avec le budget qu'on a. Hein. En plus, je l'avais payé assez cher quand il est sorti. Mais oh, quelle marque. Ça, c'est une marque. C'est une marque suisse. Je sais pas si vous connaissez. Hein. C'est Digitech. Incroyable. Challenge de. Historique de l'enfer. Allez, on se dépêche, parce que là, il y aura 15 000 mouches. Claque ça peut-être. Salut Isaac. Tiens, c'est marrant, j'ai activé l'activable dans la salle précédente en changeant de salle. Ça. Comment ça s'appelle? Ça a fait l'animation. L'enfer. Dommage, j'habite en France. Quel dommage, hein. J'avais pas du tout prévu que vous habitez tout en France. Plutôt la chaise qu'il faut poser la question. Bah, elle vient de Digitech, la chaise aussi. Je crois en plus. Non, c'est faux, elle vient de Conforama, la chaise. Truc acheté. Qu'est-ce que je fous? Acheté à l'arrache. Yo Théos. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me place pas? Pourquoi je glande? On a des mouches, mais elles servent à rien. Allez, bah, rends-nous, hein. Let's go. Alors que c'est le bordel, le mec, il saute dans le coffre en mode... Oh, trop bien, on l'a niqué. Ah oui, mais on a pas fait le call. Ah, vous pouvez call. Bon, c'est complètement pompé sur Fichéu jusqu'à ce que je trouve un concept un peu réparé, mais vous pouvez call si vous voulez. Je ferai un sub si vous trouvez. Je vous laisse 30 secondes pour call, là. Hein. Même si vous êtes déjà sub, vous pouvez... Ah. Donc le call, pour ceux qui connaissent pas, c'est faut essayer de deviner un des trois items ici. Call Brimstone. Intéressant, Brimstone. Call Dessert. Ok. Call Datsuki. Juste encore un petit peu, histoire que... Chaussure, Soy Milk. Allez, combien de temps là? 23, 22... À 30. IPCAC, ok. Alors, non. Eh non. Eh non. Eh non. C'est vrai qu'on avait Chaos. Mais pas grand chose d'intéressant. Curse of the Tower, pourquoi pas après tout. Et la Mumbox qui pourrait nous donner un truc intéressant. Le pinceau de ses morts pour plus de monde. Mais bof, hein, sinon. La Chaos Rip, c'est vrai, j'avais complètement zappé Chaos moi aussi. Est-ce qu'on a terminé cette run pacifique de Unisex? Ah, attendez, mais il y a des items qui pop, les ramasse. Mais j'ai plus de clé. Ah, la couille. Merde. Ouais, dans le cul. Dépêche-toi de mourir. Ah, super, on a perdu le cœur d'os. C'est un enfer, en fait, cet étage avec cet easter egg. Mais 15 ans. Comme ça avec bombe infinie. C'est vrai, on peut se faire plein de bombes, mais à quoi ça servirait finalement? Oh bah super, on en a eu un avant, maintenant on en a deux. Et roule mon ami. Pour le challenge, c'est le Easter Egg Pacifique. On ne peut tuer personne et en gros, tu dois survivre au boss un certain temps. On va bientôt crever hein. Tu dois survivre au boss un certain temps. Et les salles où il n'y a pas de boss, tu peux les passer tout droit. Et c'est tout. Ah mais connard. Allez, mascara en son balek. Toi tu es venu, toutes les portes sont là, c'est le boss qui ont une sur... Ouais, c'est ça. Oh, j'ai pensé aux hématémésis avant, on a failli die comme une bite. Ah, il y a une batterie de l'autre côté, faut qu'on aille la chercher. Quoique. Est-ce que c'est vraiment une si bonne idée de ça que d'aller la chercher? Oh putain, faut pas qu'on meure ici hein. On doit pas être... Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Fuck.
Ah bah des bisous YouTube, hein. On se sera bien marré quand même, on aura fait le hush, hein. Ça aura pris 15 ans, sans fin. Et abonnez-vous, ciao ciao.